to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut toutes et à tous les amis, c'est Paradox, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Pokémon version bouclier. Avant toute chose, c'était déjà le cas vers la milieu, il me semble, du présent épisode, mais j'ai changé le micro, je l'ai plus là. Enfin là, mais je l'ai légèrement décalé. J'espère que le son est tout aussi bien. Je pense, je sais même pas s'il y aura une différence. Je sais pas. Donc, je verrai ça de toute façon en faisant le montage. Aujourd'hui, on s'attaque du coup à cette arène qui est l'arène pour moi de type spectre. Donc, on est parti. On va voir ça tout de suite. Du coup, stade de Holchester. Ok. Mass Ball. Ok, j'ai lu Master Ball, j'étais pas prêt. Ok, bon bah du coup, on démarre tout de suite l'arène. Hi, un challenger, vous êtes là pour le défi des arènes, parfaitement. Dans ce cas, veuillez mettre votre uniforme. Les vestiaires sont là. Bonne chance numéro 666. Allez, c'est parti. Oula. Bien, je vais expliquer les règles de la mission de l'arène d'Holchester. C'est simple. Grimpe dans la soucoupe et essaye d'atteindre la ligne d'arrivée. En évitant tous les obstacles. Je vais te lire un extrait du manuel de la soucoupe pour que tu comprennes. Comment la conduire? Dirige la soucoupe vers la droite en tournant rapidement. Ok. Ok. Donc, de ce que j'ai compris, faut juste en fait faire ça. Oh mon dieu. Ok, en fonction de comment je tourne. En fait, regardez. Mon dieu. C'est incontrôlable. Ok. Le premier, c'est fait. Ok, on a un dresseur à battre. Du coup, type spectre. Du coup, moi, je mettrais Kalinos, peut-être. Qui c'est qui m'envoie, du coup? Un pitrouille, je vais vérifier, mais d'ailleurs, morsure 80-60. Ok, donc Machouille est mieux. Et feu. Ah, ça prend du x2 sur du feu. Ok, ça prend du x2 sur du ténèbre. Ouais, bah autant que je fasse Machouille alors, c'est plus de dégâts. Ah oui, parce qu'il est. Il est graines. Non, il est plante. Spectre, je crois. Bon, et c'est bon. Oh, t'as fini? Voilà. Roue de feu. Ombre. Eh, tu m'énerves. Dégage. Non mais je vous jure.
Plus aucun respect les jeunes joueurs. Bro, c'est l'homme. C'est quoi ce Pokémon? Bro, c'est l'homme. Ah, c'est toi? Non, bah du coup, pareil. On change rien. On fait quoi? On fait mâchouille. On va faire un mâchouille. Tac, un petit morsure et c'est réglé. Ok. Suivant. Suivant. Un pitrouille. Bah non. Ok. Pas le crème. Morsure. Ça dégage. Ok, toi c'est fait. Tac, on va se soigner. Non, pas une hyper, mais une super suffit. Ok, on est parti pour la deuxième phase. Parce que ça fait ça, mais j'ai pas envie de savoir. What? Ok. Ok, bon, ça fait ça du coup. Non, dans le sens. Voilà. Non, ah, c'est horrible. Tac. C'est bon. Chou. Ok, nouveau fight contre. Pardon. Oh, il est stylé, Koraïngar. Koraïngar. Il est beau. Il est bizarre par contre. Par contre, il est pas sa fiche. Ah si. Ok. Corayon de Galar. Oh, j'adore. Il est trop beau le Corayon de Galar. Il est vraiment super beau. Hop, on refait.
Oula. Tac. Ok, super. Un mur rouillé, ok. On fait attention, mine de rien. On... Ok. On va refaire morsure, ça va passer. Ça devrait passer. Sans trop de soucis. Tant, tant, tant. Ok. Il est stylé ce coraillon. Je sais pas. Bah, attendez, il type quoi? Spectre quoi? Juste spectre, ok. Bah, ouais. Et bah, il est grave cool. Il est grave cool. Et bah, il est grave cool ce coraillon. Ok. Tac, on tourne. Where is la suite? Where is la suite? La suite est par là. Oh, mais j'ai une passerelle là. Ok. Oui, c'est chaud. Ok. Wow, 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 wow. Wow, calmez-vous. 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 Ok. Encore un dresseur. Peut-être le dernier. Spectrum. Wow, 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 tu te calmes. Allez. Ombre nocturne. Stylé cette attaque. Stylé cette attaque. Et... Ouais, ça fait mal, cette attaque. Codrive. On va changer, on va envoyer toi ta morsure. Ouais bon, on va envoyer Torgamor. Torgamor qui a une morsure aussi, je le rappelle. Enfin, on l'a vu. En plus, ils envoient des sombres balles, c'est classe. Ok, il est vite. Ouais, c'est comme tunnel. Je connaissais pas ça, hantise. C'est en deux tours. Ok. Tac. Ok. Oula. Ouais, ça va suffire. Ok. On est parti du coup pour le champion d'arène. Mission accomplie. Allez, c'est parti. Et je crois qu'il est creepy en plus. Enfin, il est classe, le champion. Ouais, il est arbre. Moi, j'aime bien.
Alistair. Je suis Alistair. Battons-nous. Oui, le stade classe. Alistair, le champion. Ok, donc c'est un gars. Un gars qui a l'air à moitié possédé. Ok, on a le Dynamax. Allez, hop, c'est parti. Machouille. Entrave. Merde. Il me mâchouille sous entrave, ça c'est embêtant. C'est morsure. Parfait. Et on va utiliser route. On va utiliser morsure pour la fin. Ok. Ok. Corayum. C'est quoi ça? C'est l'évolution de Corayum? Vraiment? Ok, on est toujours sur entrave. Wouah, quel est ce Pokémon? Et son attaque. Sa vitesse augmente, ok. Pouvoir antique. Non. Mimiki, mais c'est trop bien! Ça va être un Mimiki Gigamax! Non. Non, c'est pas lui qui fait Gigamax. Je crois pas. Non. Non, c'est pas lui son Gigamax. Comment il marche Mimiki? Je crois qu'il me semble que quand il est comme ça, quand le masque est tombé, on peut le taper. Avant on peut pas. Voilà. On va reporter. Morsure. Ombre portée. Ok, Mimiki c'est bon. Ce qu'on va faire c'est que... Coup de jus. Solar Sen. 80. Pas de froid de frimousse. Pas de ramolos. En tout cas, le son est classe.
Oh mon dieu. On dirait le château de sable. De Soleil et Lune, le Pokémon château de sable. Ok, me mets pas KO, parfait. Anti-G-Max. Stylé. Kalinos, à toi. Kalinos, Dynamax. Sinistromax. Ce fight. Mais attendez, c'est déjà l'attaque qui nous fait en fait. Si, parce que le ténèbre est faible, le ténèbre. Ça, je vérifie, mais ténèbre est faible face au ténèbre. Ténèbre prend x2 face au ténèbre. What? J'ai pas vu ce qu'il vient de me faire. J'ai pas vu. Tant pis. Son ectoplasma est beaucoup plus rapide que moi. Oh. Ça va être chaud du coup. Sinon, il est faible face à... Oh, j'ai enlevé la page, mince. Tant pis. On a bien fait d'acheter des rappels. Hypnose. Psy ou sol, sinon. Vas-y, fais-moi un petit de vos rêves. Vas-y, fais-moi tes de vos rêves. Voilà. Quoi, mais il est vraiment beaucoup plus rapide que nous. Et nous. Ok, je vais dire une one shot, non. Ok, c'est bon. Oh mon dieu, c'est chaud. On a battu Alistair, la championne. Enfin, le champion, pardon. Tu es... Et... Très fort. J'ai failli...
en perdre mon masque. Stylé. Ouah, quelle force. Tiens, le badge spectre. Ok, ça c'est fait. Une nouvelle arène de fées. Bonne chance pour la suite. Dommage, j'aurais bien voulu découvrir. J'aurais bien voulu voir le match. Enfin, son masque, pardon. Ok. Bon. On va sortir. Vole tout. On va pas sortir du coup. Je crois que mon vol tout apprécie. Quoi qu'il en soit, tu tombes à pic. Je suis venu ici pour voir la fameuse fresque d'Olchester. On dit qu'elle relate l'histoire du héros de Galar. Et ça pourrait m'aider dans mes recherches. Mais il paraît qu'elle fait l'objet de travaux de restauration. J'espère qu'elle est quand même restée fidèle à l'œuvre originale. En général, tu as le don pour mettre le doigt sur les détails intéressants. Donc j'aimerais bien que tu m'accompagnes pour avoir ton avis. Que c'était quoi ça? Ça vient de l'endroit où se trouve la fresque. Allons voir, viens vole toutou. Oula. À chaque fois, je me trompe de bouton. C'est fou. Oula. Qu'est-ce que tu fais, Travis? Pourquoi essaies-tu? Pourquoi essaies-tu? Détruis tout. Il faut tout détruire. Si on veut récupérer les étoiles vœux. Plus, il me faut plus d'étoiles vœux. Si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Pas cher Raja. Tu es le Pokémon du président Acheros, non? Tu devrais être content de l'aider dans sa quête des étoiles vœux. Allez, un peu de nerf. Arrête. Je rêve, encore toi, tu es vraiment pénible, ma parole. Laisse-moi deviner. Tu viens d'avoir l'idée du siècle rassembler des étoiles vœux pour t'attirer les bonnes grâces du président, c'est ça? Tu as fini par comprendre. À ce que je vois, il t'a fallu du temps. Mais si tu crois que je vais te laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je ne laisserai personne se dresser en travers de ma route. Notre équipe a été soignée depuis le combat ou pas? Notre équipe a été soignée, ok. Ok, Meios. Meios. Ok, il prend du froid dur sur du ténèbre. Il est type psy, ok. Ok, mur lumière, attention. Morsure, et ça devrait être fini. Franchement, t'abuses. Remorsure et c'est fini. Ok, on... Mesmeralda. Bah parfait. Mâche lui aussi.
Tu regardes le temps de l'épisode, on a 25 minutes. J'ai ma barre du coup de micro qui arrive juste au niveau du compteur. Oula, attention. Ça passe. Ma chouille, et tu dégages. Parfait. Ensuite. Ponyta, donc Ponyta il est psy aussi. Sans Ponyta. Je sais pas, j'avais du mal avec le Ponyta et au final je le trouve mignon. Attention quand même. Rafa le psy. Un critique en plus. Mince. Normalement c'est bon. Sauf si la confusion nous tue. C'est pas lui qui nous tuera. Ce sera la confusion. Vous allez voir. Ah non. Ok. Suivant. On va envoyer Torgamore pour morsure. Chapotus. Admire un peu. Ouais, ok. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. T'as utilisé ça depuis le début, calme-toi. Allez hop, dégage. Ok. Du coup, je n'arrive pas à y croire. Comment un minable comme toi ose-t-il se dresser sur mon chemin, sur le chemin de ma grandiose destinée? Et j'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui qui doit vaincre, creux le maître. J'incarne l'élite de ce pays. Le futur de Galar repose sur mes épaules. Comment ai-je pu perdre Trévis? J'étais curieux de savoir pourquoi tu souhaitais emprunter le Pachiraja du président Echerose. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était pour détruire ces vestiges. Et alors, quelle importance ces vestiges? C'est notre avenir qui se joue. Le millénaire à venir. Ce n'est pas avec ce genre de structure que vous arriverez à servir le président. Trévis. Ça me brise le cœur d'avoir à te le dire. Mais je suis profondément déçu. Je l'ai rencontré. Quand je t'ai rencontré, tu étais si jeune et si seul. J'étais ému. C'est pour cela que je t'ai envoyé à l'école du dresseur. Je trouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme toi, comme moi, tu as été endurci par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as osé t'en prendre à l'histoire de Galar? Abîmer une fresque? Tu n'es pas digne du défi des arènes. Je décerai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop rempli de déception pour l'instant. Retourne immédiatement à Kikenheim et attends-moi là-bas. Oh la tête. Vous plaisantez, monsieur? Pourquoi me disqualifiez-vous? Vous qui m'avez choisi, recommandez même. Je suis votre protégé. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Trévis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. T'as tout perdu, Trévis.
Sonia, pas. Quelle tragédie. Oh, quel crève-cœur. Une telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Purée, j'ai eu de la peine pour Travis. Si je me souviens bien de sa présentation pour le défi des arènes, il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président. Qui l'a fait pour lui, le pauvre? J'espère que la fresque n'a pas trop souffert. Comme par hasard, tiens. Ah oh, oh, oh. J'allais dire catastrophe, mais regarde, qui aurait imaginé trouver de belles statues ici? C'est forcément lié à la fameuse légende qui te frappe de plus en plus. L'épée et le bouclier. Oui, ces créatures tiennent une épée et un bouclier. Tenant une épée et un bouclier se démarquent clairement du reste. On dirait deux Pokémon. Est-ce que tu remarques autre chose à part ça? Exactement. Il y avait donc deux héros. Mais pourquoi n'y avait-il qu'une seule statue au hall du Rose Bouton d'Or? Les structures sont les véritables témoins, les clés de la vérité sur le passé. Bien plus que les tapisseries ou la statue. Ça veut dire que le bouclier est un Pokémon. Oui, exactement. C'est ce que je me disais. Avec le temps, les Pokémon et les armes ont commencé à ne faire qu'un avec la légende. Ainsi, l'existence des Pokémon a été doucement effacée de l'histoire. Donc, on a les deux jeunes héros et l'épée et le bouclier sont les Pokémon. Mais pourquoi cacher ces ruines et ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art? Tu réalises l'importance de cette découverte? Je suis heureux d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça. Un événement pareil, ça se fête. Ça te servira bien pour le défi des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Coryphée. Ça y est, ça nous parle des légendaires. Ok, par contre, pourquoi il y a deux héros, alors qu'en Rose Bouton d'Or, il n'y en a qu'un? Mystère, mystère. On découvrira ça la prochaine fois. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Merci à tous. C'était Para. Bye bye tout le monde. Salut. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Bye. Salut. N'oubliez pas les petits likes et petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Et bien évidemment, n'oubliez pas de partager la chaîne, la vidéo à vos amis, bien évidemment, pour que ceux-ci puissent me découvrir. Allez, merci à tous. Bye bye tout le monde. Ciao ciao, bye.